Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un thème que vous appréciez particulièrement, une journée dans mon assiette. Le mois de mai est très chargé de mon côté, du coup je me suis organisée en prévoyant pas mal de commandes en ligne pour gagner du temps. J'ai voulu tester des produits chez Casidomi, site en ligne avec un choix de produits bio de qualité à un prix juste, mais j'ai aussi pris le temps de comprendre l'intérêt de l'abonnement annuel proposé par Casidomi, qui vous permet d'avoir des réductions sur tous les produits du site. Et en fait, j'ai compris que ces réductions vous permettent d'avoir accès à des produits de gamme bio qu'on ne trouve pas forcément dans tous les magasins, et surtout une sélection irréprochable au niveau des ingrédients. Vous pouvez donc profiter de ces produits à des prix équivalents et même moins chers que ceux pratiqués habituellement. J'ai beaucoup apprécié le large choix proposé dans les différents onglets, par exemple pour toute la partie sans gluten, une grande variété de pâtes, et c'est vrai que c'est ce qui fait souvent défaut quand on a cette intolérance. Mais aussi la partie épicerie avec des prix très intéressants sur les aliments du quotidien en vrac ou en conserve, des variétés de légumineuses qu'on ne trouve pas partout comme par exemple les lentilles beluga, des haricots noirs, cannellini ou borlotti. N'hésitez pas à vous promener dans les différents onglets du site, vous verrez il y a vraiment beaucoup de choix dans différentes catégories pour satisfaire tout le monde. Vous l'avez compris, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Casidomi. Je peux donc vous faire profiter du code promo LUDILIS20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20 € sur votre abonnement annuel. Il passe donc à 60 € au lieu de 80. Je remercie tous ceux qui utilisent ce code parce qu'en contrepartie, ça me permet de recevoir une réduction sous forme de bon d'achat. C'est une façon de soutenir mon travail et ça me permet aussi à mon tour de réaliser des nouvelles courses chez Casidomi. De cette façon, je peux continuer plus facilement de vous proposer de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. En attendant, je vous laisse découvrir tout ce que j'ai sélectionné lors de cette première commande chez Casidomi et je vous retrouve juste après pour partager avec vous des recettes sur toute une journée, bien sûr des recettes variées, équilibrées et gourmandes, avec quelques-uns des produits que j'ai choisis lors de cette première commande. Alors, on va essayer de pas trop déranger ce petit Newton et je vais vous montrer ici déballé tous les produits donc que j'ai choisi dans cette commande Casidomi. On commence avec les produits plutôt petit déjeuner sucré. J'ai choisi ce granola donc de la marque Casidomi qu'ils font eux-mêmes pour voilà la liste des ingrédients. Regardez, très simple, des ingrédients de bonne qualité. On est sur du sucre de fleur de coco. Et vous voyez, ce qui m'a intéressé, c'est que la quantité de sucre pour une portion de 100 grammes, voilà, c'est 9,6 grammes. Ce n'est vraiment pas beaucoup par rapport à tout ce genre de produits qu'on trouve en général, les granolas. Donc, il était très peu sucré. Je trouvais que c'était un produit de très bonne qualité. Ensuite, leur propre pâte à tartiner Chocodomi, voilà. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, encore une fois, pour ce genre de produit, c'est les valeurs nutritionnelles. On est sur 37 grammes de sucre pour une portion de 100 grammes, hein, pour vous donner une idée. En général, la nocciolata, j'ai regardé, elle est à 53 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc là, à nouveau, sur la qualité des produits, on est sur quelque chose de plus équilibré au niveau de l'apport en sucre. J'en ai profité pour prendre aussi du chocolat noir aux noisettes entières de la marque Vivani. Je vous en parle souvent, c'est une marque que j'aime énormément, je la trouve dans mes magasins bio. Mais pour vous donner une ordre d'idée, là la tablette de chocolat est à 2,08 € dans mon magasin bio. Dans cette marque là, le premier prix chez Vivani est à 2,29 €. Pour les infusions, alors ça c'est super, ils font du vrac avec vraiment un choix assez large du style de tisane ou d'infusion. Vous voyez, avec vraiment des gros morceaux de plantes, de fruits entiers. Je trouve ça vraiment très très sympa pour se faire des bonnes infusions. Et au niveau du prix, j'ai vraiment été très très surprise puisque je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps d'un sachet que j'avais trouvé dans mon magasin bio, une infusion aussi qui était à quand même 6,99 € les 100 grammes. Et là, on est à 120 grammes pour 5,75 €. Donc là aussi, au niveau du prix, voilà, c'était très intéressant. J'ai pris le kombucha, ça vraiment pratique puisqu'il est pasteurisé, donc on peut profiter de le commander en même temps que toute une commande de produits secs, pas besoin de faire une commande de produits frais.
Donc voilà pour toute la partie, on va dire un petit peu sucrée, douceur. Au niveau de tout ce qui est féculent, j'ai pris ce genre de préparation, c'est très pratique quand on n'a pas trop de temps. Des pains pita, alors ça aussi, vraiment intéressant. C'est des pains pita, je ne les trouve pas en général dans ma magasin bio, je ne les trouve qu'au blé complet. Et là, ils sont à l'épeautre. Et en plus, au niveau du prix, je suis à 1,90 €, alors qu'à mon magasin bio, ils sont à 1,95 €. Et on est sur une céréale plus intéressante, voilà, de l'épeautre. J'ai pris également du pain essaim ou pain essénien. Alors ça, j'ai été aussi surprise au niveau du prix. Il était à 2,17 €. En général, à magasin bio, le pain essaim, c'est dans les 5 euros. Donc voilà, ça, c'était très intéressant aussi. Donc le pain essaim, au niveau de sa particularité, c'est qu'il y a un seul ingrédient. C'est du seigle germé, seigle complet germé en plus. Donc là, on est sur un ingrédient vraiment de très bonne qualité, avec des valeurs nutritionnelles très intéressantes. On continue sur les féculents. J'en ai profité pour prendre ces pâtes à lasagne que je ne trouve pas partout et qui étaient beaucoup moins chères que la marque que je trouve dans mon magasin bio. Celles-ci, je les aime beaucoup parce qu'elles sont donc aux lentilles corail, donc ça fait une bonne source de protéines végétales en même temps. Et j'ai pris ces pâtes de sarrasin, donc 100% sarrasin sans gluten, parce que je voudrais refaire une recette que je vous ai proposée sur Instagram de ramen, un petit peu à ma façon, donc pour faire ce genre de soupe asiatique. Et justement, j'ai pu trouver. J'étais très contente de faire cette découverte, de pouvoir enfin trouver un miso de bonne qualité. Pareil, toujours la même chose au niveau de la liste des ingrédients. On est sur, voilà, miso blanc doux, alors riz fermenté, fèves de soja, eau et sel marin. Donc voilà, là on est vraiment sur un ingrédient de très bonne qualité. C'est pour apporter beaucoup de goût à vos préparations, vos pâtes, vos soupes. Et ça permet de remplacer, vous savez, les bouillons de légumes. Alors ceux en poudre encore, c'est pas trop mal. Mais sinon, ceux qu'on va acheter qui sont en cube, il y a de l'huile ajoutée. Voilà, au niveau de la qualité du produit, là on est sur quelque chose de vraiment de super. Et ça permet vraiment d'apporter un goût très particulier et d'assaisonner vos plats juste en mettant une petite cuillère. Donc moi je vais découvrir, hein, ça fait un moment que j'avais envie d'essayer. Vous parfumez vos plats, vous donnez beaucoup de goût et de saveur avec voilà, un ingrédient très simple. J'en ai profité aussi pour faire le plein de tofu. Pareil, la même chose, c'est sous vide. Donc on peut les acheter en même temps qu'on fait sa commande de sec. Pas besoin de faire une commande à part pour des produits frais. Quelques conserves de sauce tomate, parce que moi ça j'en consomme pas mal. C'est très pratique pour agrémenter les plats. J'ai pris au basilic et aussi une arrabbiata. J'aime beaucoup, un petit peu pimenté, ça donne beaucoup de goût. J'ai pris ces haricots borlotti. Déjà la boîte elle était très jolie et ça permettra de faire une salade de légumineuses, voilà, un petit peu plus sympa. Vous savez, c'est ces gros haricots un peu bicolores, je trouve ça très joli, ça donne c'est très appétissant et ça change un petit peu. Et enfin, les derniers produits que j'ai voulu tester, alors c'est des substituts de viande en fait, hein, des protéines végétales, et pour une fois en fait c'est sans soja. Vous voyez, c'est à base de protéines de blé et de pois chiches. Donc voilà, une composition aussi très simple qui permet d'avoir une bonne source de protéines. On est sur 15 grammes aux 100 grammes. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est pratique. Je voulais essayer. Donc je ne connais pas du tout. Je vous en reparlerai. Donc voilà tout ce que j'ai pu trouver sur cette commande chez Casidomi. Ça m'a permis, voilà, d'avoir accès à des produits bio, saine, de qualité, que je ne trouve pas forcément dans mon magasin bio, et surtout à des prix finalement assez intéressants. Et sur cette première commande, j'ai déjà pu faire une économie de 26 euros. On se retrouve pour les recettes et on commence avec le petit déjeuner, une recette qui peut rendre service à certains d'entre vous qui n'ont pas trop le temps le matin ou même qui doivent partir assez tôt, puisque c'est une recette qui se prépare la veille. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de son d'avoine, une cuillère à soupe de noix de coco râpée, de la cannelle, beaucoup de cannelle même, ça apportera un côté sucré naturellement. On mélange bien tout ça et je rajoute 2 cuillères à soupe de purée de pommes, 50 ml de lait végétal sans sucre ajouté. On mélange à nouveau et on laisse reposer toute la nuit au réfrigérateur. On se retrouve le lendemain matin, je vais juste rajouter par-dessus un petit peu de yaourt végétal à la vanille. Alors à la base, ce porridge froid est déjà bien moelleux, mais là on va rajouter de l'onctuosité
Et comme il faut toujours que ça reste bien gourmand, je vais terminer en rajoutant un petit peu de granola de chez Casidomi à la pomme et à la cannelle. Dans ce petit déjeuner, vous retrouvez du moelleux, de l'onctuosité et du croquant. Je l'accompagne avec un matcha latte, c'est ma boisson depuis plusieurs mois maintenant. Je prends le cérémonie de chez Anatae qui n'a aucune amertume. Et bien sûr, toujours en bonne compagnie. Pour la pause déjeuner, c'est souvent un peu la course, mais avec un peu d'organisation, j'arrive quand même à préparer un repas équilibré rapidement. Je commence par préparer des frites de légumes. Là, j'ai utilisé des courgettes et des carottes. J'ai coupé les carottes en bâtonnets plus petits pour que la cuisson soit plus homogène, puisqu'elles sont quand même beaucoup plus dures que les courgettes. Je rajoute du curry de madras qui a vraiment un goût exceptionnel. Je sale et je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et deux cuillères à soupe d'eau pour bien enrober les frites de légumes avec les épices. Je mélange bien tout ça et ensuite je dispose ces frites de légumes sur une plaque de cuisson que je recouvre d'un papier cuisson avant, comme ça c'est beaucoup plus facile pour nettoyer. Et je fais cuire pendant 25 minutes à 180 degrés pour que ça dore mais que ça ne brûle pas. Pendant ce temps, je prépare la garniture pour les pains pita, alors pour deux personnes. J'ai utilisé environ 200 g de thon à l'huile d'olive bien égouttée. Je rajoute 2 cuillères à soupe de yaourt soja nature. Et pour gagner du temps, j'utilise des aromates secs, de l'ail, de l'échalote, de l'estragon. Je sale et je termine avec du jus de citron. On obtient une préparation pleine de goût et bien crémeuse en même pas une minute. Pour les pains pita, c'est super simple. Il suffit de les humidifier légèrement et de les passer au grille-pain juste 2 minutes. Ensuite, je les garnis avec la préparation à base de thon et je rajoute quelques rondelles de concombre pour un peu de fraîcheur et de croquant. Oui, Cyril Lignac, gourmand croquant, je suis sûre, ça vous parle à vous aussi. Bref, on passe à table et on se régale avec ce petit repas équilibré. On a tout ce qu'il faut. Des légumes, des bonnes protéines, du bon gras et des glucides pour avoir de l'énergie. Pour le repas du soir, j'ai voulu préparer un bouillon asiatique. Alors je vous ai déjà proposé une recette sur Instagram, mais cette fois-ci je l'ai un petit peu préparée à ma façon et je l'ai un petit peu plus personnalisée. Donc pour les légumes, j'ai utilisé un blanc de poireau que j'ai coupé en lamelles très très fines et deux petits choux pak choy que j'avais trouvé chez Lidl cette semaine. Je commence par réaliser le bouillon en faisant dorer les poireaux dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais rajouter ensuite une grande quantité d'eau pour tout recouvrir et en avoir suffisamment. Je laisse chauffer et pendant ce temps, je vais préparer la pâte de miso pour assaisonner ce plat. C'est donc la première fois que je découvre ce genre de produit. Celui que j'ai choisi a vraiment un parfum très doux, mais qui apporte beaucoup de goût. Je dilue l'équivalent de 2 cuillères à soupe de miso avec une cuillère à soupe de sauce soja qui permettra de saler le plat. Et maintenant, dans mes recettes où je voulais mettre du gingembre, je n'utilise plus que de l'huile essentielle de gingembre. C'est tellement pratique, ça évite d'avoir à le peler, le râper et franchement, ça apporte un goût incroyable. Je dilue cette préparation avec de l'eau bien chaude et je viens l'incorporer au bouillon. C'est à ce moment-là aussi que je rajoute les autres légumes. Alors j'avais aussi coupé des champignons en rondelles. Et je termine avec les petits choux pak choy. Je recouvre et je laisse cuire juste le temps de préparer les spaghettis de sarrasin.
Alors j'étais très étonnée par ces pâtes, elles sont vraiment bonnes et il n'y a pas ce goût un peu trop fort du sarrasin que j'ai déjà retrouvé dans d'autres pâtes. Franchement, celles-ci, elles sont super et elles sont idéales pour cette recette. On passe au dressage. Alors je commence par déposer dans un bol assez profond les spaghettis de sarrasin. Je rajoute les légumes, les petits choux pak choy, le bouillon, les champignons. Je recouvre suffisamment. Et pour les protéines, j'ai utilisé 2 œufs et j'ai terminé également avec quelques feuilles de coriandre fraîche. Cette recette est pleine de goût, de saveur. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle reste très légère et à la fin du repas, on ne se sent pas tout gonflé ou ballonné. Et c'est tout l'intérêt de choisir des céréales différentes. Personnellement, je sens vraiment la différence quand j'utilise des pâtes sans gluten. Je vous avais promis sur Instagram la recette de ces petits moelleux au chocolat. Alors c'est une recette très intéressante parce que j'utilise une farine d'orge mondée qui est réputée pour son index glycémique bas. Et en plus on va y glisser un légume. Alors je vous promets qu'on ne le sent pas du tout. Vous allez voir, ça va être une recette assez simple à réaliser. Il vous faudra 3 œufs. Je sépare les jaunes des blancs pour les monter en neige. Je mélange les jaunes d'œufs avec une courgette que j'ai râpée rapidement. Je rajoute la farine, du cacao en poudre, du sucre complet. Je mélange tout ça, je rajoute environ 80 g de chocolat fondu, alors du chocolat à 70% ou 85% en fonction de votre goût, et un petit peu d'arôme vanille. Je termine cette préparation en rajoutant délicatement les blancs d'œufs montés en neige. Et pour ajouter de la gourmandise à ces mini muffins, je vais insérer une petite noisette de pâte à tartiner chocodomi. Alors je verse d'abord l'équivalent d'une cuillère à soupe dans chaque moule. Je mets la petite noisette de pâte à tartiner chocodomi et je recouvre avec une autre cuillère à soupe de la préparation. Ensuite, je fais cuire entre 20 et 25 minutes à 180 degrés. C'est le genre de petite douceur que j'aime toujours accompagner avec une boisson chaude. Et là, j'ai pu profiter de ces infusions que j'ai choisies chez Casidomi. C'est des infusions avec de belles feuilles de différentes plantes et de beaux morceaux de fruits entiers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Likez, commentez et surtout, abonnez-vous. À bientôt !